Adani, on n'a plus du thé. Vous devez le savoir. C'est vous qui consommez et c'est vous qui faites les courses. Ok. C'est à cause de moi que vous devez partir. Oui. Peut-être que je devais partir d'ici moi aussi. Peut-être que vous n'aurez jamais dû partir de Tonga. Écoutez, ce qui se passe entre ma femme et moi, reste entre ma femme et moi. Et puis, elle était déjà chargée à bloc avant que vous ne débarquiez. Donc j'ai été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je dirais plutôt que vous avez été le dernier coup d'âge qui a battu l'arbre. Mais vous restez. Je vous laisserai partir d'ici le jour où j'aurai la certitude que je dormirai, sachant que vous êtes en sécurité. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Rassurez-vous. Des hommes qui quittent et il y a des hommes qui sont quittés. Je sais dans quelle catégorie je suis. Et cette fille, elle reste ici le temps qu'il faut. Ta soeur, elle voit l'infidélité partout. Pas partout. Non. Sous son toit. Non mais, ne me dis pas que toi aussi. Vous me croyez encore capable de ça? Normal. Tu as fait tes preuves par le passé. Mais ça date de l'époque pharaonique. Mais je t'assure que c'est encore dans nos mémoires. C'est comme si c'était hier. Les habitudes ont la peau dure. Attends. Toi, tu m'en veux encore pour la fille du gouverneur. Attends, comment elle s'appelle encore là? Liliane. Liliane. Tu vois? Tu te souviens même plus de son nom. Et tu sais pourquoi je t'en veux encore? C'est d'avoir épousé ma soeur pour la faire souffrir. Adjani, tu viens s'il te plaît. Je te présente le frère d'Eren, Badei. Comment va votre soeur? Ah, elle va parfaitement, très bien, merci. Et tu penses que tu peux aller faire le marché? Je me débrouille pas mal. Prends ça et tu prends le taxi en course. Et qu'est-ce que j'achète? Le nécessaire pour la cuisine. Et n'oublie pas de prendre mon thé. Transmettez mes amitiés à votre soeur quand vous la verrez. Ok, je ne mentirai pas. Tu penses toujours que je trompe ta soeur? Si c'est le cas, vous êtes très... En fait, je n'ai vu aucun signe. Mais tu sais qu'il est difficile de te faire confiance. Tu as un passé très gros. Mais je suis quand même curieux de savoir ce qu'elle fait ici. Dis-moi, il t'arrive souvent de... vouloir remonter le temps et de réparer deux ou trois choses. Des milliers de fois. Mais en particulier une. Je regrette de t'avoir surnommé Magic Johnson. J'aurais mieux fait de garder ça pour moi. Mais toi, on t'appelait 20 fois. C'est ça qui faisait le problème, Sally. Tous ceux qui connaissent le basket savent que Johnson est plus fort que Jordan. Et Liliane était... et conditionnellement fan de Johnson. Avec le temps, on comprend que la vie n'est qu'un jeu. Heureusement que j'ai pu rattraper le coup.
J'ai fixé la date de mariage. Avec qui? Liliane. Je sens que Dieu m'aime. Et la deuxième, c'était Stéphanie. Elle m'avait fait des avances et moi je l'avais repoussée comme une chienne. Et cela avait saqué son mental. Je le voyais dans ce regard, mais j'étais resté indifférent. Tu sais, on ne force pas l'amour. Je ne regrette pas de l'avoir repoussée, mais la manière dont je l'avais fait, je l'avais démolie. Si seulement je pouvais les revoir pour me faire pardonner. Je vais éviter de commettre la même erreur. Tu sais, cette fille à Gianni, je l'ai trouvée ici dans le quartier, errante. Après avoir été enlevée, agressée, puis violée. À peine arrivée en ville, elle ne connaît personne. Alors, je ne vais pas la laisser partir. Elle restera ici autant qu'il lui faut pour se remettre. Tout ce qu'elle a subi. Cette version de l'histoire, Ren la connaît? Oui. Alors là, je ne la reconnais pas. Il doit sûrement avoir autre chose. Elle m'a plombé le moral. Il faut qu'elle revienne, sinon j'irai squatter la maison de votre maman. Allô, Mambo? Comment tu vas? Doucement, doucement. Respire. Quoi? Mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Quoi? C'est quoi le problème? Allô? Mais c'est Liliane. Elle a eu un accident de circulation. Elle est morte. Non! Monsieur! Tiens le coup, vieux. Ça va aller. Bon, moi je vais y aller. Je vais rentrer. Et avant cela, je vais d'abord passer chez votre maman. C'est cher, hein? Oui. Ah, merci pour tout. La famille est faite pour ça. Les obsèques de Lilian se sont bien passées. Il faut se tourner vers l'avenir maintenant. Il faut avancer. Car j'essaierai. Bonjour madame. Monsieur, l'enterrement s'est bien passé. Oui. Excusez-moi, madame. Je sais que ma présence dans cette maison vous incommode. Mais je vous assure, si ça ne dépendait que de moi, je serais déjà partie. Mais c'est votre mari qui... Adjani, écoute. Ton arrivée et mon départ dans cette maison ne sont qu'une simple coïncidence. Mais rassure-toi, je ne te connais pas.
Donc, je ne te fais pas confiance. Tu es une jeune fille très belle. Et je sais que même si mon mari m'est encore fidèle, il ne restera pas indifférent à ça. Si jamais il lui arrive de perdre la route, c'est à toi de le ramener sur le chemin si tu veux qu'on reste des amis. Et je t'assure qu'on peut être de très bonnes amies si tu restes à ta place. Oui, madame. Je sais exactement où est ma place. Bien. Alors, et si tu me parlais de toi? Histoire très courte. Qu'est-ce que je veux faire avec tout ce que j'ai acheté pour mon mariage? Je sais à quel point tu aimes Liliane. Je ne veux pas paraître indécent, mais je pense que je peux avoir une solution. Mais avant tout, promets-moi de ne pas te mettre en colère. Tu as dépensé à hauteur de millions et il ne faut pas que ça se gâte. Tu sais que ce n'est pas bon le gaspillage. Oui, alors? Et alors, je ne vois qu'une solution. Alors là, tu oublies. Tu ne penses pas quand même que je vais te donner tout ce que j'ai acheté pour mon propre mariage, que tu as doté ma propre sœur avec? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà doté ta sœur. Mais à moitié? Oui, mais c'est vrai que cela m'aurait rendu un grand service. Rien n'a demandé que je vous serve le repas quand ça serait prêt. C'est déjà prêt, je vous sers. Et elle me met où? Elle prend son bain. Ok, tu peux servir. Tu vois, c'est de ça dont je t'ai parlé. Quoi? Tu es malade ou quoi? Hein? Je crois que ça a été placé de ta faute, ok? Je te présente mes excuses. Mais il faut l'avouer que Adjani, c'est une belle femme. Et ce n'est pas une femme de ménage. C'est comme si j'étais un indigent à qui on veut faire une offrande. Dans la vie, chacun a besoin d'un coup de pouce. Pas pour ce qui est des femmes. On ne peut donner une femme à un homme. Un homme doit conquérir une femme pour mériter du respect. Alors il faut la conquérir. Supposons qu'elle n'était pas notre invitée. Qu'elle n'habitait pas chez nous. Que tu l'avais rencontrée dans une autre vie. L'aurais-tu ignorée? Et en plus, ce n'était qu'une proposition. Que tu n'aurais pas dû faire. Bon, voilà ce qu'on va faire. J'ai retiré tout ce que j'ai dit. Et je te laisse faire. Comme tu sens. Il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre fille? Tu le sauras très vite. Lorsque tu l'auras approché. En passant, il faut que les choses soient claires. Je t'avais fait une proposition et non une offrande. Et le fait qu'elle habite chez nous ne te procure aucun avantage. Voilà qui est rassurant. Et je te précise que elle n'est pas du genre facile. Elle est gentille, calme, douce, respectueuse, mais c'est un morceau dur à croquer. Je connais ce genre de filles. Salut. J'ai comme impression que tu perds la foi. Hein? Tout ce que j'ai dit, c'est que ça ne sera pas facile. Bien. Ça fait pratiquement 8 mois qu'on se fréquente. Et ça fait exactement 6 mois que je t'ai fait ma demande. Mais tu es toujours restée différente. Je ne suis pas indifférente, je t'assure. C'est juste que pour moi, toi et moi, je ne sens pas. J'ai l'impression de vivre un rêve. Et quand je vais me réveiller pour vivre la réalité, tu ne seras pas là. Mais seulement, c'est pas un rêve. Tu vois bien que je suis réel. Il y a une réalité que tu refuses de voir. J'habite chez ta soeur. Pour ma soeur, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça, fais-moi confiance. Tu ne comprends pas. Je vais te dire. Et si je n'avais jamais habité chez ta soeur? Laisse-moi le faire.
Jamais une femme ne m'a rendu la vie aussi dure. Tu n'es pas pour quelque chose par hasard? Je t'avais dit que c'est un morceau dur. Le problème, c'est qu'elle ne te croit pas. Elle ne croit pas que tu es sérieux. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse la rassurer. Quelqu'un à qui elle a confiance. Et je présume que cette personne, c'est toi? Pas moi. Ta sœur. De mieux en mieux. Ren, ça date pratiquement un an que vous me logez. Tu veux déjà partir? Non. Je veux vous parler d'une chose. Et promettez-moi de rester calme. Monsieur Khan? Vous vous rappelez que vous m'avez dit la dernière fois que si je veux qu'on reste amis, je devrais rester à ma place. Mon mari t'a fait des avances? Non. Mais votre frère. Tu te rappelles ce que tu as dit quand elle t'a proposé son aide? Je me rappelle très bien. Mais je n'ai jamais eu besoin d'aide en matière de femme. Parce que quoi? À certains moments de la vie, tout le monde a besoin d'un petit piston. Et cela ne signifie pas qu'on est faible. Pourtant, ce n'est pas l'impression que ça produit. Cette proposition tient toujours. Il suffit de demander. Il veut me prendre pour épouse. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. Je n'ai rien fait pour l'encourager. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il te plaît? Je ne comprends pas. Mon frère, c'est pas mon mari. Alors s'il veut t'épouser, je ne trouve aucun problème. Je ne sais même pas pourquoi je t'en parle. Tu ne pourrais rien comprendre, vu que tu n'as jamais vécu une telle situation. Au passé, j'ai enduré pire. Être intéressé à une fille, pour que tu n'existes même pas. Ne me dis pas qu'elle t'a fait ça. Pendant 3 ans. Tu as courtisé Ren pendant 3 ans avant de l'épouser? Plutôt pendant 5. Les 3 premières années, c'était pour qu'elle m'accepte. Et les 2 derniers, pour qu'elle ait confiance. Moi qui pensais que 8 mois étaient très longs. Mais seulement, il ne serait jamais arrivé sans ton aide. Je ne savais même pas que tu lui faisais la croix à cette époque. Pourtant, c'est toi qui l'avais rassuré. Rassuré? Comment ça? Tu es son frère et elle t'a fait confiance. Tu te rappelles le jour de la finale du championnat africain de basketball où le Cameroun avait battu le Niger. Après le match, on s'est rendu chez ta maman. On a causé de tout et de rien, de notre enfance et de ce qu'on voulait devenir une fois adulte. Alors, Ren a posé une question à votre maman. Maman, tu penses que l'homme peut changer? Et votre maman de dire, tout dépend de ses motivations. Tu te rappelles ce que tu avais dit ce jour? Je ne me rappelle même pas de ce jour. Alors, ce que j'ai dit ce jour-là. Pourtant, ça m'a permis d'épouser la meilleure femme du monde. Tu avais dit ceci. Je pense que même le pire des hommes peut changer. Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu Salut faire la cour à une autre fille. Dire qu'il le faisait tous les 5 minutes. Ce jour-là, Ren m'a dit. Sans toi, cela ne s'est jamais arrivé. Bien. En clair, il faudrait que je demande à Ren d'aller lui parler. Si jamais ça ne marche pas... Wadi, une femme qui va voir une autre femme pour son frère, ça marche toujours. Mais j'ai une inquiétude. J'ai peur. Je pense que je ne le connais pas assez. Et moi, je le connais très bien. Trop bien même. Si Wadé n'était pas mon frère, il aurait été le seul homme avec qui je devais me marier sur terre. Tu n'as rien à craindre de lui. Il a été éduqué par une très bonne maman.
Jamais je n'ai rencontré une fille aussi vieille. On dirait que rien ne l'intéresse. Et tu voudrais que j'aille lui parler, c'est ça? T'inquiète, j'ai déjà discuté avec elle. Comment ça tu as discuté avec elle? Nous sommes des femmes, figure-toi. Et... tu peux savoir de quoi vous avez discuté toutes les deux? À ton avis. Et je présume que si je ne venais pas, tu n'allais rien me dire. Je suppose que non. Tu vas me dire tout ce que vous avez causé ensemble. Comment est-ce que je vais te dire ça? Mais cache le morceau. Attends, tu veux qu'il devienne cardiaque ou quoi? Ah, voilà. Je pense que c'est mieux qu'elle-même te le dise. La dot chez nous, c'est si cher. Beaucoup de nourriture et du vin de palme. Eh oui! J'ai eu le stress de ma vie. Les filles, je voulais fixer le date du mariage. Et en passant, où est ton mari? Encore au lit. Hein? Il bon. Faut qu'il se lève. Salut! Salut! Oh. Je vous suis deux fois redevable. Vous m'avez donné un toit. Et un mari. Merci. Oh non, je n'ai rien fait du tout, hein. C'est ton destin. Nous sommes une famille maintenant. Ah oui, ça c'est sûr, nous sommes des sœurs.